Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, l'esprit de vérité. Avez-vous déjà fait ce genre de prière? S'il te plaît Dieu, rends-moi bon. Avec peu de résultats, comment est-il possible de prier pour que la puissance transformatrice de Dieu agisse en nous et que nos vies semblent rester les mêmes? Nous savons que Dieu a des ressources surnaturelles illimitées qu'il nous offre librement et avec enthousiasme. Nous voulons vraiment en profiter et pourtant, nos vies ne semblent pas changer conformément à ce que Dieu propose. Pourquoi l'une de ces raisons dérangeante de simplicité est celle-ci. Tandis que l'esprit a le pouvoir illimité de nous transformer, il est possible que par nos choix, nous restreignions ce que Dieu peut faire. Lisons Jean 16 et versets 5 à 15. Dans ce passage, Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Jean 16 verset 13 dans la version Darby. Qu'est-ce que cela sous-entend au sujet de l'action du Saint-Esprit en notre faveur? Jean 16 verset 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tandis que le Saint-Esprit peut nous révéler la vérité sur notre état de péché, il ne peut pas nous oublier à nous repentir. Il peut également nous montrer la plus grande vérité sur Dieu, mais il ne peut pas nous forcer à y croire ou à y obéir. Si Dieu nous contraignait, même de la manière la plus minime qui soit, nous perdrions notre libre arbitre. Satan accuserait Dieu de manipuler nos esprits et nos cœurs, et il serait ainsi en mesure d'accuser Dieu de tricher dans le grand conflit. Quand le grand conflit a éclaté au ciel, notre Père n'a pas contraint Satan ou aucun des anges à croire qu'il était bon et juste, et il n'a pas non plus forcé les anges à se repentir. Et dans le jardin d'Éden, quand les enjeux étaient à nouveau très élevés, Dieu a parlé clairement de la vérité à propos de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, mais il n'a pas empêché Ève et Adam d'exercer leur libre arbitre pour désobéir. Dieu n'agira pas différemment avec nous aujourd'hui. Alors l'Esprit présente la vérité sur Dieu et le péché et il dit ensuite, vu ce que je t'ai montré, que vas-tu faire maintenant? C'est la même chose quand nous nous trouvons dans le creuset. Parfois le creuset est là précisément parce que nous n'avons pas obéi ou que nous ne nous sommes pas repentis de nos péchés. Pour que notre Père agisse dans pareil cas, nous devons choisir sciemment d'ouvrir les portes de la repentance et de l'obéissance pour que la puissance de Dieu vienne en nous et nous transforme. Quelle conviction l'Esprit de vérité vous a-t-il donné récemment? Écoutez-vous bien sa voix et surtout, quel choix faites-vous avec votre libre arbitre? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.